Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon samedi. Je me suis mise sur le balcon parce qu'il fait 24 degrés et j'avais envie de profiter un petit peu encore du soleil qui, on le voit, descend déjà à l'horizon. Donc oui, c'est bientôt l'automne. Alors figurez-vous que pour mon anniversaire, je me suis offerte quelques livres et quelques neuvaines, enfin en tout cas des instructions pour les neuvaines. Alors, excusez-moi si vous entendez les bruits de la rue, étant donné que je me suis mise dehors, c'est normal. Alors, j'en ai plusieurs. La neuvaine pour obtenir des grâces en priant Carlo Acutis, ou Acutis, je ne sais pas comment on dit. Le petit saint que j'ai choisi pour ma chaîne, puisqu'il avait aussi une chaîne YouTube et que franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeune homme extraordinaire. Voilà. Et vous voyez, j'ai plusieurs petits dépliants. Donc je les donnerai, hein, je vous les ferai parvenir, on fera une petite tombola entre nous. Il y a la neuvaine, et en faisant cette neuvaine selon Carlo Acutis, vous pouvez obtenir des grâces. Alors j'ai aussi quelques livres. Je viens vous préparer à cet événement, l'illumination des consciences. Voilà, donc il y a trois volumes. Hein. Et bien écoutez, je vous dirai un petit peu ce que je peux en dire, voilà, chercher les mots, Marine, reine de la paix, enfin, je sais qu'il peut y avoir des informations intéressantes, et puis j'ai aussi un autre livre qui s'appelle Le Grand Repentir, qui donne aussi un petit peu un condensé des prophéties, et j'ai été très surprise de voir que ce que je voyais en astrologie correspondait pas mal avec ce que les prophéties disent. Donc, on va essayer d'y aller doucement pour vous préparer petit à petit. Évidemment, étant entendu que je peux me planter, mais quand même, on va vers une direction. Alors, aujourd'hui, on va faire Puff Daddy. Peut-être que vous avez entendu parler, j'ai ma tablette juste à côté. Voilà, donc, c'est un rappeur très connu aux USA. Moi, je ne connaissais évidemment pas. Il a été arrêté pour des histoires de trafic SEX. Et il a été mis en détention sécurisée parce qu'on craint pour sa santé mentale. Mais il y a des bruits qui courent disant que, au cours des orgies qu'il organisait et dans lesquelles il droguait des femmes pour pouvoir abuser d'elles, hein, enfin, vous avez compris, il y a des bruits qui courent qui disent que dans ces orgies, il y avait aussi des caméras qui étaient installées et donc il invitait des gens, voilà, vous avez compris ce qui se passait. Et lui, il est filmé un peu comme Epp. Vous voyez, Epstein, voilà. Et ce serait pour ça qu'il serait en prison sécurisée. Donc on va regarder. Alors je fais cette vidéo, c'est pas parce que le sujet m'intéresse particulièrement. C'est un triste personnage, mais c'est parce qu'on me l'a demandé. Alors je suis à votre écoute, il y a encore quelques sujets qu'on m'a demandé que je n'ai pas encore traités. Il faut être toujours dans des bonnes conditions. Allez, on y va. Et puis voilà quoi. Donc je le fais quand je suis en forme. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire ce Puff Daddy? Je vais remonter un peu la caméra. Attendez. Voilà. Et puis savoir un petit peu ce qui va se passer, ce qu'on lui reproche, ça sort dans les cartes. Hein. J'ai encore une partie là. Alors je vous prépare un nouvel oracle. Il est prêt. Je l'aurai certainement la semaine prochaine. Je vous le présenterai. Et puis il y aura certainement un cadeau que je ferai. Donc mon oracle tout neuf que j'enverrai gratuitement à quelqu'un. Voilà, on fera là aussi une petite tombola. Donc, vous voyez que c'est mon anniversaire bientôt. Demain, en fait. Mais que c'est vous qui aurez des cadeaux. Voilà. Bon. Voilà, voilà. Allez. Alors, Puff Daddy. Triste personnage. Alors, j'ai des trafics. Alors, c'est marrant parce que j'ai des trafics de bébés, là. C'est un peu bizarre. Alors, j'ai des questions de famine aussi. Bon, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça s'ouvre. Des trafics d'enfants. Ah, et si ça se trouve, il y a un trafic de quelque chose. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Alors, d'enfants, de bébés, enfin, vous voyez quoi. Et la famine. Je sais pas. J'étais en train de penser à des questions de chantage. Moi, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Puff? Puff Daddy, qui c'est pas du tout son vrai nom. Hein. Alors, j'ai sa photo juste à côté. Moi, je le trouve pas du tout sympa. En plus, il a été filmé par des caméras dans un hôtel. Il était en train de donner des coups de pied à sa femme. Enfin, vous voyez, le personnage
odieux. Hein. Il y a beaucoup de violence entre les contre les femmes, pardon. Hein. Beaucoup, beaucoup de violence contre les femmes. Alors, quelque chose qui se développe. Ah ben, le diable. Bon, ben oui. Alors lui, il a sa place en enfer qui est retenue. Hein. La réconciliation, oui. Ah, pardon, j'y arrivais. Une impasse et les starting blocks. Ok. Bon, ça, ça peut être sa femme parce que, bon... Peut-être, hein, mais j'ai pas trop envie de regarder sa vie privée. Moi, je veux savoir ce qu'on peut, nous dire sur les... Enfin, ce qu'il organisait, quoi. Hein? Ce qu'il organisait chez lui. Bon, bah, il y a des choses qui vont être encore découvertes. Hein. Ah, ouais. Là, vous voyez, là, ça commence toujours, tout juste à émerger. Mais là, il y a des choses qui vont découvrir. Ouais. Donc, par rapport, justement, à ce, qu'il faisait, hein. Qu'est-ce qu'on a sur le diable? Ah, oh, bah, dites voir. Bah, il y a des gens du gouv. Hein. Ah, ouais, alors je sais que c'est aux US, hein, on est d'accord. Hein. Eh ben, il y a des gens du gouv là-dedans, des gens haut placés. Hein. C'est aussi là, éventuellement, tout ce qui est politique. Hein. Ah, oui, 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 oui. Je peux vous confirmer avec des cartes comme ça, oui. Et sur ces gens-là, de toute façon, aussi, leur place est réservée au chaud. Ah, bah, faut pas croire, ça existe. Hein. On a aussi des témoignages de, saints et de saintes qui ont eu des visions. Qui ont vu l'enfer, hein. Faut pas croire qu'on peut tout se permettre sur cette terre et qu'il n'y a pas de conséquences. Hein. Faut arrêter le New Age. Hein. On sera jugé. Hein. Ça, je préfère vous le dire. Bon, alors là, on détruit tout. Il y a des histoires de réconciliation. Je sais pas trop ce que ça veut dire là. Ça peut être les femmes, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que c'est la carte de la réconciliation, mais je me demande s'il n'y a pas quand même des personnes féminines qu'il a attirées dans ses filets et voyez qu'il a détruite. Là, c'est la destruction totale avec des, millions de victimes. Alors, des millions, bon, le concernant, évidemment, c'est pas ça. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui, est prêt à tout pour arriver à ses fins, quoi. Et ça implique des, jeunes femmes. Hein. Donc, le contrôle du cerveau. Tiens, ça, c'est curieux. Une impasse, oui. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a des gens qui viennent. Alors, les touristes, le tourisme. On va peut-être mettre des grandes cartes, hein. Ah, j'ai le soleil qui est parti. Oh non. Ouais, bon, bah, écoutez. C'est comme ça. C'est quand même assez bon. Vous devriez avoir assez de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... je vais faire une coupe rapide. Voilà. Sur les premières cartes. Les deux, là, ensemble. Et, mais il y a des gens qui sont impliqués. Hein. Bon, là, il faut que je regarde pourquoi j'ai le truc de cerveau, là. Et là. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Répulsion. Bon, alors ce qu'on va trouver, ça va répugner tout le monde. Hein. Ah ouais, à mon avis, je vous dis, il y a autre chose. Hein. J'avais sorti en couple les petits bébés. Alors vous savez, en fait, là, en réfléchissant à la carte de la famine, là, je me demande si c'est pas simplement un trafic de gosses avec des enfants, vous voyez, qui viennent de pays où il y a la famine, vous voyez. Bah oui, malheureusement, hein, il y a des parents, des gens, plutôt des gens, qui vendent leurs gosses. Hein. Je suis désolée, mais... Il faut ouvrir les yeux, quoi. Ça existe. Hein. Parce que, voilà, pour des raisons de faim. Alors, je n'ai pas dit que c'est excusé, hein, mais je vous explique simplement, quoi, que dans les pays très pauvres, eh bien, voilà, c'est ce qui se passe. Bon, enfin, bref, c'est juste pour expliquer ma coupe, mais ici, ils vont découvrir des choses, voilà. Ça va être, à mon avis, pire que ce qu'on nous a dit. Est-ce qu'on nous le dira, ça? Déception. Alors, on ira pour regarder pourquoi il y a déception ici. On va regarder tout de suite d'ailleurs. Hein. Alors peut-être que c'est lui qui est déçu, hein, parce que il va se faire attraper là. Sacrifice. Ah oui, d'accord. Ah mais non. Non. En fait, ce monsieur Puff, on va l'appeler Puff, hein, il pense qu'il va être protégé par ces gens-là, qu'il a dû inviter à ses parties fines, comme on dit. Et puis là, eh bien, il va être déçu parce qu'ils vont le sacrifier. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce monsieur a été mis dans une prison sécurisée, pardon. Une prison sécurisée parce qu'ils ont déjà eu le cas avec, Jeffrey. Hein. Je pense que la police n'a pas trop envie que ceci se reproduise. En tout cas, la police ou des gens bien intentionnés. Hein. Et donc, et qu'il soit sacrifié, justement. Mais là, le monsieur, attention, hein. Déception, sacrifice, hein. S'il pense avoir des appuis, là, non. Alors, confirmation. Bon, ça, c'est ma carte que j'ai faite. Hein.
confirmation, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je pense que le jeu me confirme que je suis sur la bonne voie, c'est-à-dire qu'il attirait des jeunes femmes à lui, peut-être des jeunes femmes avec qui d'ailleurs, comment dire, il avait peut-être eu des ennuis d'ailleurs, ou des ruptures, parce que c'est quand même la carte de la réconciliation, et puis il les emmenait, voilà, il les emmenait, il les sacrifiait là aussi, vous voyez, parce que ces jeunes femmes, elles ont été, comment on appelle ça, sédatées, je crois, hein. Vous savez qu'en ce moment, il y a un procès, là, absolument ignoble, je n'ai pas les mots, hein. Le mari qui offre sa femme 10 ans, pendant 10 ans à d'autres hommes, et la pauvre épouse, elle était sous sédatif, enfin sous drogue, quoi. Voilà, donc dans le coma presque. Et bon, bah, elle s'est fait abuser, pour pas dire l'autre mot, pendant 10 années par plusieurs centaines d'hommes. Voilà. On en est là, hein. Ah ben ouais, on en est là. Bon, ben là, ça me fait penser un peu à ça, vous voyez. Effectivement, ces femmes, ben, à mon avis, ces femmes, on va les retrouver. Alors peut-être qu'elle ne savait pas ce qui se passait, hein, si c'est comme le cas que je viens de vous évoquer. Et là, ça risque de les détruire quand même. Hein. Ben oui. Alors, argent. Ah, on a un truc intéressant là. Une impasse et de l'argent avec le contrôle des cerveaux. Bon, ben, il y a des histoires intéressantes ici qu'on retrouve là, vous voyez. Quand je vous ai dit qu'il y avait des gens haut placés. Alors, je ne vous ai pas expliqué, mais ça, c'est ma carte de l'Élysée normalement. Bon, ok. Pour moi, c'est le gouve, les gouves. Et vous voyez qu'il y a le contrôle des cerveaux, mais il y a une impasse. Alors impasse, c'est peut-être parce que on n'aura pas les noms. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des questions d'argent pour contrôler les gens puissants. Moi, c'est ce qui me vient ici. Hein. Donc, les contrôler mentalement, les contrôler, quoi, exactement comme Jeffrey. Hein. Vous savez qu'on n'a toujours pas retrouvé les fameuses cassettes. Enfin, cassettes, oui, à l'époque, ça devait être des cassettes, enfin, je sais pas. Qu'on appelle ça. Des trucs USB, là. Je ne vais même plus commencer en français. Le voilà. Enfin, bref, vous avez compris, quoi. Tout ce qui a été photographié, tout ce qui a été filmé, là. Hein? Sur l'île de Jeffrey, ben, on ne sait pas où c'est. Aucune idée. Qui est-ce qui a les films? Qui est-ce qui a les cassettes? On ne sait pas. On ne sait pas. Je pense que Ghislaine a dû donner certainement des infos. Mais ça ne sortira pas au niveau du public. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Abandonné. Alors, abandonné. Bon, ben là, je vois pas trop, je dois dire. On va peut-être remettre encore une carte. Parce que là, c'est le départ. Là, c'est le tourisme ou des gens étrangers. Ah, il y a les caméras aussi. Hein. Ah, il y a les ballots, là. Tiens. Il y a des expériences, là. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va être abandonné, là? Qu'est-ce qui va être abandonné? Changement, oui. Un changement. Bon, là, moi, j'ai besoin d'une autre carte. Hein. Bon, le starting block, ça, simplement, c'est sur le départ. Alors, le départ abandonné, ça fait quand même penser à, effectivement, attendez, vous voyez pas. Ah, vous avez le mur à côté. Bon, on va pousser un peu les cartes. C'est simplement changement abandonné, un changement qui est abandonné, ou alors on abandonne quelque chose, ça produit un changement. Qu'est-ce qui est abandonné, là? Mais c'est manque de bol. C'est marrant, attendez, j'ai un truc qui me vient en tête. Ouais, il y a des alliances. C'est bizarre, mais ce gars, il était dans les trafics. Hein. Alors, pas que SEX, hein. À mon avis, il y a autre chose. Vous savez, ça me fait penser à des expériences sur les femmes, moi. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il faisait, là? Parce que là, on a compris, bon... On a compris, hein, il y avait des caméras qui étaient installées. Bon, là, ils sacrifiaient les femmes. Alors, quand je dis les sacrifier, vous avez compris. Hein, il les faisait être abusés par d'autres personnes, hein, d'accord? C'est ça, quand je dis sacrifier. Hein, et ça va avoir des répercussions, évidemment, sur la santé psychique et mentale de ces femmes. C'est pour ça que je parle de sacrifice ici. Vous avez les victimes. Mais là, il y a encore autre chose. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Il y a un changement qui ne se fera pas, qui va être abandonné, là. Alors, manque de chance. Quelque chose qui était en train d'être mis sur les starting blocks, vous voyez, avec d'autres personnes, des amis peut-être. Il avait un projet. Alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai un projet médical, moi, concernant des femmes. Mais ce projet va être abandonné ou a été abandonné, il ne se fera pas, j'ai un nom.
Et c'est pour son malheur à lui. Hein. Alors, je vois pas trop ce que c'était que ce projet avec les femmes. Aucune idée. Mais ça passait par des trucs médicaux. Alors, me dites pas qu'ils s'en servaient comme cobayes aussi. C'est quoi cette histoire? Attendez, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Perte financière. Oui, bon, ben, il y a des. Y a, je sais pas, il y a des histoires médicales. Des gens qui ont investi financièrement. Mais je ne sais pas, ça concerne des femmes. Ouais, c'est surestimé le gars. Mais vous savez que ça peut être aussi. Je sais pas, j'étais en train de penser aux mères porteuses, moi. À mon avis, quand je vous dis qu'il y a autre chose, vous voyez? Pensez à ma carte de la coupe avec les usines à bébés. Il y a quelque chose, hein? Alors, on va demander. Est-ce qu'il y avait d'autres choses de médicales là, qu'on nous cache? Donc, qui n'a pas encore été dévoilé. Bon, là, il y a les colibris. Oui, il y a une situation effectivement très dangereuse. Et il y a des gens qui essaient d'apporter leur contribution. Je pense qu'il y a des histoires de trafic. Hein. Ah ouais. Des trafics incluant des femmes. Ah, il y a quand même une partie de la vérité qui va sortir. Je les mettre comme ça. Une partie de la vérité, mais évidemment, on ne dira jamais tout. Ouais, regardez, c'est bien les femmes que l'on suit. Hein. Ouais. Là, il y a le harcèlement concernant des femmes. Je sais pas, il y a un projet avec les femmes, et moi, je pense à des choses médicales. Alors, je pense aux mères porteuses, mais c'est peut-être pas ça. C'est quoi ce projet avec les femmes? Ah là. Bon, mon jeu, il est fort. Hein. Oh là, il nous sort des trucs. J'utilisais pas ces femmes pour faire, vous voyez, certains rituels quand même. Il y a quelque chose, hein. C'est très glauque, hein. Pourquoi est-ce que j'ai la carte des femmes qui est sortie? Qu'est-ce qu'il faisait avec ces femmes, mis à part le fait de les abuser? Bon, il y a encore la vérité qui va sortir. Ouais, on va quand même découvrir des trucs. Hein. Bon, il y a des morts, là. Moi, j'ai quelque chose. Hein. Écoutez, voilà. Attendez, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre, là? Ça ne peut pas me donner des idées, mais il y a quelque chose qui implique des femmes, certainement des enfants, des morts, des rituels et des trucs médicaux. Ah, voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Et il était, à mon avis, dans des histoires, pourquoi pas aussi d'enlèvement de femmes. Hein. Vous voyez, on suit une femme, là, pour lui faire du mal. Et puis là, j'ai encore une femme. Ça implique vraiment les ballots, là. On va demander, est-ce qu'on peut me confirmer? Attendez, on va prendre les mots. Je ne sais pas sur quoi je suis en train de tomber, là. Ah, ouais. Venir, alors c'est à venir... Gagner. Bon, venir, ok, et gagner. Bon, il y a des histoires de gains, hein. Quand je dis gagner, c'est gain. D'accord. Peut-être, ouais, il y a quelque chose par rapport à des femmes. Moi, je pense qu'il n'y a pas que les choses qu'il faisait chez lui. Il y a aussi autre chose dans lesquelles il était impliqué, alors par Internet ou des choses comme ça. Peut-être qu'il faisait venir des femmes de l'étranger, vous voyez. Il y a des histoires de trafic, à mon avis, de bébés, hein, d'enfants, hein. Ouais, il y a quelque chose. Bon, il y a des histoires de spiritualité. Bon, c'est pas forcément la vraie spiritualité, ça. Par contre, ça me fait penser quand même à certains pays. Hein. Je sais pas, j'ai la Thaïlande en tête, moi. Bon, aucune idée pourquoi. Bon, il y a beaucoup d'enfants là-bas qui sont exploités, hein, vous savez bien. Hein. Oh là, ouais. Ça va être un tsunami. Alors... Normalement, les cartes me disent qu'on devrait le savoir, on devrait l'apprendre. Donc, il faudra suivre plutôt cette histoire. Alors, peut-être sur X, parce que je ne suis pas sûre que sur les médias mainstream, on dise tout. Hein. Mais il y a quelque chose là. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il faisait venir des femmes de l'étranger, au niveau des trafics qu'on n'a pas découvert. Hein. Alors, soit elles étaient enlevées, on leur faisait du mal, ou soit il y a les questions de mères porteuses, voyez, de bébés, d'usine à bébés, parce que j'ai quand même les rituels ici, noirs, on va dire, les questions d'argent et puis la mort, quoi. Et là, ce projet-là, eh bien, il y a un changement, donc ça ne sera pas. Bah oui, forcément, il a été arrêté. Donc, voilà. Alors, par contre, maintenant, on va demander un petit peu si il va rester en vie, parce que, comment dire, il se passe des choses bizarres dans les prisons, hein. Donc, en tout cas, des gens qui sont impliqués. Ah ouais, c'est sûr. Pour des questions de chantage, c'est évident. Exactement comme Jeffrey. C'est fou, ces gens-là. Mais vraiment, ils ont vraiment la perversité dans la peau, quoi. Vous voyez, répulsion. Hein.
Bon, alors, son devenir à ce monsieur. Attendez, je vais reprendre sa photo parce que du coup, ma tablette s'est éteinte, n'est-ce pas? Moi, j'ai besoin quand même d'avoir la photo à côté. Voilà. Ok. Bien. Mais c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est quand même fou que ces gens-là, ils peuvent pas en fait avoir du succès, être riches, avoir la renommée, enfin tout ce qu'ils veulent, ils peuvent pas en fait s'arrêter là. Non, il faut qu'ils aillent encore plus loin dans l'horreur, enfin pas dans l'horreur, parce que avoir du succès, gagner de l'argent, c'est pas une mauvaise chose en soi, évidemment. Hein. Mais je veux dire, ils peuvent pas en fait se contenter de ça, il faut qu'ils aillent dans des choses dark. C'est quand même incroyable. Bon. Ok. Oui, j'étais en train de dire, qu'est-ce qu'il va devenir en prison, lui? Alors. Bon, alors là, j'ai les rayons vides. Aucune idée pourquoi. J'ai quelque chose de vide. Tiens, j'ai une injection. Hein. Alors lui, il ne faudrait pas non plus que, voilà, on lui donne une injection, vous voyez ce que je veux dire? Parce que les rayons vides, ça veut dire qu'on ne trouve rien. Mais d'un autre côté, je vous ai dit qu'ils allaient trouver quand même des trucs. Attendez, je vais faire pause. Si j'y arrive, oui. Voilà, ça devrait être bon, pardon pour le bruit. Parce que là, on enlève des choses quand même. Hein. On vide des choses. Hein. Il y a les rayons qui sont vides. Donc, à mon avis, il y a des choses qui vont être nettoyées au niveau de sa maison. Mais il y a quand même d'autres choses qui vont être découvertes. Donc, le nettoyage ne pourra pas être parfait. Par contre, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'attention, parce que là, c'est pas la piquette. Hein. Par contre, il y a des questions d'injection. Hein. Ils sont devenus en prison. Va-t-il survivre? Ben, c'est compromis quand même. Hein. Alors là, on apporte quelque chose, on donne quelque chose. Ah ouais, regardez, le coffre-fort. On va lui proposer un deal. Hein. Ouais, on va lui proposer un deal. Vous avez compris ce que c'est un deal, je n'ai pas besoin d'expliquer. Hein. C'est un mot anglais, mais enfin bon. Un accord, si vous voulez quand même. La traduction, là, pour révéler des choses qu'il a dans son coffre. Ouais, exactement comme Madame Ghislaine. Hein. Ouais, il y a des gens qui travaillent. Alors, il y a des gens vraiment bien intentionnés derrière. Ça, c'est des belles associations. Il y a vraiment des gens qui sont encore honnêtes dans ce monde. Bah oui, quand même, heureusement. Par contre, il y a d'autres personnes qui se disputent. Alors, par rapport à quoi? Alors, je sais pas. Là, j'ai la terre. Le monde. Oui, alors, ça, c'est les pays, en fait. Quand je dis, je sais pas si c'est les pays. Il y a quelque chose au niveau mondial. Il y a quelque chose au niveau mondial. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des disputes? À quel sujet? Oups. Tiens, la police qui n'est pas d'accord. Tiens. La police qui n'est pas d'accord. Alors, est-ce que c'est par rapport aux révélations? Ouais, il y a la police qui veut... Alors, une partie apparemment, hein, qui veut que les gens continuent à croire aux contes de fées. Donc, en fait, vous voyez, quand je vous ai dit que... ils allaient trouver des choses répugnantes, hein, répulsion, et qu'il allait y avoir la vérité qui allait sortir. Moi, je pense que oui, il y a une partie de la vérité, mais qu'il y a plein de choses qu'on ne saura pas, parce que là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord au sein de la police, qui ne veulent pas tout révéler, qui veulent faire en sorte que les gens continuent à croire des bobards. C'est ce qu'on de fait, hein, voyez. Bon, alors attendez, on va regarder ce qu'il y a sur la seringue là. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce qu'il va survivre? On va demander. Hein. Bon, alors il va être sur les montagnes russes. Aïe. Ouais. Bon, alors on parle de sa santé mentale. Oui, c'est possible d'ailleurs qu'il ait pris des drogues, hein, je sais pas, mais enfin, il y a un truc avec les histoires de piquette. Bon, bah là, je dis qu'il va falloir prier. Ça m'étonnerait qu'il se convertisse quand même. Enfin, on ne peut que lui souhaiter, évidemment, qu'il se repente, hein, évidemment. Mais là, il y a quand même mise en garde. Hein. Vous voyez? Parce que là, ça veut dire quand même sa santé, elle est en danger. Enfin, sa santé, sa vie est en danger, là. Donc là, il a vraiment besoin d'une protection, le gars. Hein. Ouais. Bon, rénovation, alors ça veut dire quoi? Rénovation. Mais on va lui proposer un deal. Hein. On va lui proposer de changer. Enfin, non, pas de changer de vie, c'est pas ça, mais on va lui proposer de changer des choses ou de rénover des choses. Donc de ne pas tout révéler, je pense. Tout simplement. Et peut-être de l'envoyer quelque part.
là où il serait en sécurité. Le gars, il a peur pour sa vie. Hein. Ah ouais. Bon, alors, j'ai que l'injection. Hein. Bon, est-ce qu'il va être suicidé on va poser la question. Hein. Est-ce qu'il va être suicidé lui aussi? Bon, alors là, j'ai sympa. M'a dit, bah ouais, j'ai que la carte du printemps. Ça va être pas beaucoup. Bon. Ouais, eh ben, il y a des gens très riches. Hein. Il y a des gens très, très riches derrière, comme d'habitude. De toute façon, si c'est des gens du gouv, c'est évident. Qui pose problème là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il va être suicidé en prison ou pas? Ouais, bof. Il s'est l'impression qu'il se fait des illusions quand même. Hein. Ouais. Il se fait des illusions parce que là, on le fait tourner un peu en rond. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais là, on l'emmène quelque part. Il y a une espèce de torsade là, comme on dit. L'escalier en colimaçon, c'est que. Si ça se trouve, on lui propose un deal, mais moi, je ne ferais pas confiance à sa place. Ouais, il faut qu'il fasse gaffe. Bon, là, il est bien surveillé quand même. Hein. Ouais, il est bien surveillé. Bon, pour l'instant, j'ai pas plus d'informations. Hein. J'ai quand même les histoires d'injection. Et là, vous voyez qu'il est mis en repos. Moi, je me demande s'il ne va pas être mis vraiment à l'écart. Ouais. Et surveiller étroitement parce que j'ai quand même un risque. Hein. Bon, j'ai pas je sais pas s'il va passer de l'autre côté ou pas. Ah, c'est possible. Hein. J'ai quand même le ciel. Hein. Bon, à surveiller tout ça. En tout cas, on peut demander encore quelques autres cartes avec un autre jeu, mais moi je pense qu'il y a des trafics de gosses derrière. Voilà, c'est dit hein, pour des rituels. Voilà, faut pas croire, ça existe. Hein. Enfin, vous le savez. Alors, je vais prendre un autre jeu. Alors, en fait, je ne l'ai jamais utilisé, ce jeu-là. Je sais pas, je trouve qu'il sortait pas très bien, mais je trouve quand même qu'il est pas mal. Oui, c'est un peu contradictoire, ce que je vous dis. Hein. Alors, c'est, vous voyez, en fait, il a vécu. Hein. Bah ouais, il a vécu. Hein. C'est l'oracle du parfum de vie de Pierre Jonas. Alors, si je me trompe, c'est peut-être celui qui a fait l'oracle G aussi. Oh, que vous connaissez sûrement. Moi, que j'utilise pas parce que je le trouve un peu trop sec. L'oracle G. Mais bon. Et puis je suis pas. Avec moi, il sort pas. Ah, attendez, peut-être que je vais le mettre dans le bon ordre. Ouais, c'est ça. Tiens, on va nous dire alors. Allez, on va le tester. On va voir. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Monsieur Puff Daddy Didi. Ah, mais qu'est-ce que j'ai dit que c'était Daddy? Alors, attendez, il y en a qui disent que c'est Daddy. Il y en a qui disent que c'est Didi. Alors, j'ai pas compris. Bon, c'est Puff Daddy. Bah, apparemment, c'est le même. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qu'il cache? Alors, l'air. Et là, c'est quoi? L'air et le bien. L'air du bien. Bon, ok. Bon, j'espère qu'il va marcher. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui nous cache? Ce qui n'a pas été révélé encore. La chute. Bon, ça, oui, c'est lui. Effectivement, il ne s'y attendait pas du tout. Comme quoi, il y a quand même des gens. La cassure, il y a quand même des gens qui travaillent aussi pour le bien. La chute, la cassure, bon ça c'est lui. L'illusion. Ouais, ouais, je vous dis, à mon avis, il se fait des illusions. On avait aussi la carte tout à l'heure. Hein. Ou déception, sacrifice. S'il s'attend à ce que ses petits copains le sortent de là, à mon avis, il se fait des illusions. Hein. La cassure, vous voyez, il y a séparation là. Il s'est fait prendre, bah, c'est foutu quoi. Chacun pour sa pomme. Hein. Il y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de solidarité entre les serpents. Hein. Ah non, le nid de serpent, c'est chacun pour soi. Hein. Ah ouais. Bon. L'androgyne. Tiens, ça c'est curieux. Pourquoi ça sort? Ah oui, bah si, c'est les trucs de LG. Ouais. Ah bah j'ai pas. C'est un vieux jeu. Hein. Donc il y a des cartes que j'ai pas dedans. Mais ça, l'androgyne, moi, ça fait penser à des trucs LG et compagnie. Hein. Il y a un truc avec ces gens-là encore. Après, on va dire que je suis parti pris. Bah, écoutez, c'est l'androgyne. Hein. L'argent, voilà. Moi, je déteste ce qu'ils font, ces gens-là, aux enfants. Hein. Pas besoin de revenir sur toutes les horreurs qu'on a vues sur les JO et ailleurs. Hein. Et ailleurs. Hein. La perversion au niveau des enfants et tout. Hein. Foutez-leur la paix aux gosses. Hein. Enfin, bref. Il y a ces gens-là, derrière. Il y a tout un lobby. Oui. La terre, oui. Bon, on l'avait tout à l'heure, c'est peut-être les pays étrangers, ça. Hein. La rencontre, ben voilà, je vous ai dit, c'est à mon avis, c'est les rencontres. Et vous voyez que l'homme, là, il a des cornes, hein, donc c'est le diable, donc c'est la rencontre maléfique.
La jeune fille, elle est toute pure et innocente. Et hop, mauvaise rencontre. Donc pour moi, il y a quelque chose avec les femmes qui faisaient venir d'étrangers. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Et, mais ça, ça c'est pas dans sa maison. Ça, c'est ailleurs. Hein. Le dédale. Bon, ça, c'est le labyrinthe. Hein. D'accord. C'est que des mauvaises cartes. Hein. La force, oui. Donc, il est, à mon avis, il y avait des histoires de contraintes ou de violence. Hein. Le dédale, c'est aussi quand on n'arrive pas à sortir, hein, c'est le labyrinthe. Hein. Donc, à mon avis, ces femmes-là, elles étaient enfermées. Hein. Bah, écoutez, j'interprète mes cartes. Le bien, bon. Et le mal, ah bah d'accord. Alors, j'ai les deux, hein, le bien et le mal. Ça, c'est curieux. La lutte du bien et du mal, c'est curieux. Oui. L'étoile. Ben moi, pour moi, l'étoile, c'est les trucs mystiques hein, avec le mal. Moi, je pense le bien, c'est qu'elles pensaient bien faire, ces femmes-là. On a dû leur raconter des histoires. Mais à mon avis, vous voyez, l'étoile et le mal, il y a des histoires de sacrifices. Hein. Ah ouais, il y a quelque chose. Hein. La fête. Bon, ça, c'est les orgies, certainement. Hein. La famille. Oui, il y a mes histoires d'enfants, là. Je vais arrêter. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Ah ouais, il y a quelque chose avec les enfants. Hein. Oui. Oui, 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 oui. Bon. Bon, c'est un petit jeu. Hein. Ce n'est pas énormément de cartes actuelles, on va dire. Mais on peut demander. Tiens, on peut demander rapidement. Hein. Parce que j'en ai tellement dans ce jeu-là. C'est le divin actu. Hein. Je comprends pas les gens qui sortent tout le divin actu, ça veut plus rien dire. Hein. Le divin actu, faut en prendre un petit peu parce que vraiment, il est très très événementiel le jeu quand même. Hein. Mais on va essayer de voir si on peut avoir quelques cartes sur Puff Daddy ou Didi donc. C'est quoi ça? J'ai âme chimique et bactériologique, cinéma, théâtre. Bon, effectivement, bon. Alors, les âmes chimiques bactériologiques, pour moi, c'est les drogues. Hein. C'est parce qu'il mettait ses femmes sous sédation. Donc, il est drogué. Cinéma, théâtre, beaucoup de mensonges. Oui, certainement. C'est aussi le show business, certainement aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qu'on on ne sait pas encore hein. Parce qu'il n'y a pas que les orgies et autre chose. Alors, Me Too. Ah ben voilà, ça, oui, effectivement, oui. Les violences faites aux femmes, absolument. Oui, ça, je suis d'accord. Couper, trancher. D'accord. Bon, en plus, il y a ces femmes-là, à mon avis, elles devaient être contraintes à ne pas parler. Enfin, il y a un truc. Là aussi, il doit y avoir des histoires de chantage. Hein. Oui. Genre, tu ne parles pas, sinon on révèle tout. Enfin, vous voyez, genre de truc. Bon, enfin, bref. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? C'est incroyable ces gens-là, mais moi je vous dis, hein, on est sur Terre, on doit faire nos preuves, quoi. Hein. On est vraiment un probétsal, comme on dit. Hein. Ouais, et donc les gens qui font ce genre de choses sont mal barrés, quand même. Hein. Ah bah écoutez. Hein. Bon, alors tiens, je pose ce qu'il va faire là, le vieux. Je dis, il y a des gens du Gouv. Hein. Bon, alors c'est pas forcément lui, mais enfin, ça peut graviter autour, vous voyez ce que je veux dire? L'été, bon, ça nous apprend rien. Malsain, oui, bon, là, on est d'accord, par contre. Bon, c'est vrai qu'on est en été, je dirais. Encore. Et que ça a été découvert, effectivement, récemment, donc en été. Alors, lui, malsain, bah, il y a un entourage malsain. Hein. Ouais, absolument. Hein. Sous terre. Ah, oui, il y a un truc. Hein. Quelque chose dans les souterrains. Terroriste. Bon, ça, c'est les armes. Je pense que ça va faire là. Inconnus. Donc des gens inconnus sous terre. Bon, moi, terroriste, j'y verrais bien, en fait, la violence. Hein. Il ne faut pas tout prendre avec les mots. Hein. Moi, j'aime pas. Enfin, vous savez bien. Mais bon, mon prochain oracle aura des mots dessus. Donc, je rassure ceux qui aiment bien avoir des mots, quand même. Bon, il y a des gens inconnus, là. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passait avec Puff Daddy? Guerrière combattante. Bon, ça, c'est des femmes. Hein. Aïe, aïe, aïe. Toujours eux, hein, mais ils sont partout, eux, hein, tout le temps.
Alors, on va poser la question. Est-ce qu'il y avait des histoires de sacrifices au niveau des trafics? Parce qu'on sait qu'il y a des trafics. Palais, château. C'est marrant que j'ai le château. Donc, un endroit. Un endroit avec des riches, des gens riches, quoi. Oui. Je rappelle que ça se passe aux US, hein, donc c'est pas la France. Hein. Lieu de culte. Alors, moi, les lieux de culte, je vois pas l'église, là. Hein. Je vois plutôt des histoires de rituels, là. Hein. Ah, ouais. Voilà, l'argent. Les rats, c'est la saleté. Mais c'est aussi les expériences, hein, les rats. Pour moi, c'est les rats de laboratoire. Je vous assure qu'il y a quelque chose. Hein. Bon, voiture vitesse, oui. Le nom, d'accord. Bon, ça s'est arrêté, son histoire, c'est sûr. Ouais, ben ouais, moi c'est ça en fait, migrant. Moi je pense qu'il faisait venir des femmes, vous voyez, de pays défavorisés, de pays pauvres, quoi. Moi je pense, hein. Il y a des histoires comme ça. On va demander, est-ce qu'il y a des histoires de gosses dedans? Ouais, à servir enchaîné, oui. D'accord. Plutôt les femmes, hein. Bon, Liban, bon, on va laisser, excusez-moi. Hein. Je sais qu'il y en a encore qui vont râler, mais là, c'est pas le thème. Avocat, oui, il va passer en justice. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas que j'en sorte de trop, j'en sors aussi beaucoup. Bon, bravo, m'a dit. Magistrat, bon, il va passer en justice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il va passer en justice, oui. Conflit militaire. Préparation. Bon, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que là, vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, il y a autre chose qui s'invite dans mon tirage. On nous dit que le Liban, il y a un conflit militaire avec une préparation. Attention, ça chauffe. Bon, voilà. Bon, moi, je pense qu'il faisait venir des jeunes femmes dans ce qu'on n'a pas vu. Hein. Ce n'est pas les orgies, ça, c'est autre chose. Qu'il les enchaînait, il les asservissait. Il y a des lieux de culte, on a vu. Il y a des gens comme ça. On sait ce qu'ils font, ces gens-là. Hein. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, d'ailleurs? Des expériences certainement avec les rats, des gens inconnus. Vous voyez, en plus, il y a la capuche, hein, je ne veux pas dire, mais enfin, ça rappelle les messes d'arc, comme on dit. Voilà, des femmes. Puis en plus, il y a une épée quand même. Donc des femmes. Des femmes qui pensaient peut-être d'ailleurs trouver une nouvelle vie. Hein. Des trucs sous terre. Et puis des choses malsaines. Bon. Moi, j'ai mon opinion. Après, ce n'est que mon opinion. Mais, attendez, on va quand même poser une dernière question, c'est est-ce qu'il va être suicidé celui-là ou pas? Je ne sais pas si j'aurai la réponse. Ah, c'est bizarre, j'ai un volcan, une éruption. Qu'est-ce que ça vient faire là? Ouais, il ne m'a pas répondu là. Tu me parles d'autre chose encore, Coco. Hein? Ah ouais. Ouais, il y a autre chose. Hein? Bon. Il va y avoir encore des problèmes par rapport à la population, des victimes. Non, bah, j'ai pas la réponse. Non, désolé. Mais moi, j'avais quand même l'injection de tout à l'heure. Donc, méfiance. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage. Je vais le poster aujourd'hui. Et puis, je vais vous en faire un autre. À bientôt. Au revoir.